Break. Ok pour Jackie, voilà, 100% QSL, et je crois que Rémi est derrière. Voilà, je lui fais retour de micro. Donc, kilomètre 3301, voilà, Rémi, de 14 kilomètres 3306 et 14 kilomètres 76, 11 je crois, l'ami Jackie de la Normandie. Voilà, retour à toi Rémi. Ok, les 73-51 à vous deux, de 14 km 33-01, Dandy 33 Rémi. Je sors à l'instant même du pro. Voilà, il est 18h29, je viens juste de passer le portail. Ok, Jackie, bon, je te fais retour le micro, 73 Rémi. Voilà, ben, écoute, je suis en direct sur la planète Sibi francophone. Hein. Voilà, je suis en direct sur la planète Sibi francophone et j'ai été récupérer notre ami Jackie là sur le 555. Hein. Voilà, ok Rémi, à qui je te fais retour de micro. Enfin, je vais faire retour de micro sur Jackie pour voir si tu entends. Jackie, est-ce que tu entends Dandy 33, kilomètre 3301? Oh, je l'ai perdu là. Attention Jackie, 14 km 76-11 pour kilomètre 3306 et 3301. Ah, lui aussi il l'a perdu. Bon, apparemment Rémi, il y a des fadings parce que la propagation a vachement chuté. J'entends plus l'ami Jackie. Ouais, effectivement. Ouais, pile au moment où je suis monté dans la voiture, j'avais le poste qui était sur le 555, car cet après-midi, là, je suis passé là, vite fait sur un retour de ronde, écouté comme ça dans le push. Et j'étais entendu justement lancer l'appel et proposer le QSY d'ici. Donc j'ai vite embrayé derrière. Et en même temps que j'ai démarré, puis bon, tu vois, là, petit à petit, je l'ai perdu avec. Ok, mais ben là, moi, je m'y suis mis à 18h10, là, je m'y suis mis en fréquence, ouais, 18h10, je ne sais plus trop. Voilà, donc, j'ai lancé les appels, et puis, bon, ben écoute, j'ai dit, tant pis, je monte sur le 555, et puis, c'est là que j'ai lancé les appels, et puis j'ai entendu, donc, l'ami Jackie, voilà, 76 ans, de ben, toute façon, j'avais réussi, là, après, sur le toaster des kilomètres, hein, voilà. Mais là, ça a chuté, là, parce que j'entends plus du tout, là. On va laisser un petit peu, pour moi. Jackie, est-ce que tu es toujours avec nous? 14 km 76-11, pour Daniel, km 33-06. Ben ouais, c'est pareil de mon côté, là, j'ai plus rien. Voilà, là, je suis en direction de la rocade, mais bon, j'ai l'impression, je pense, que ça doit être le bazar. Je dis ça parce que là, on a déjà un collègue qui est pas encore arrivé sur site. Ah, d'accord, ok, ben écoute, dommage pour lui, je sais pas, j'ai entendu qu'il y avait, t'as le bonjour de Richard, 14 Alpha Tango 390, ça va être, voilà, l'ami Richard, 14 Alpha Tango 390 de Belfort. Ok Richard, les bonnes 13 à toi, de la part de 14 km 3301, Rémi Dandy 33 en mobile sur Mérignac. Voilà, c'est-à-dire à l'ouest de Bordeaux. Ok,
voilà. Comme je te dis, là, Rémi, là, je fais le direct sur la planète, hein. Ce soir, là, d'habitude, je suis sur le groupe Kilomike, et j'ai dit, bon, ben, allez, hop, je m'en vais sur la planète civile francophone pour ce soir. Voilà, ça... Ah, c'est là, en fait, j'y suis, donc, voilà, ça prend l'occasion de l'héberger. Ok, attends, je vois quelqu'un là à pied qui est en train de filmer la rocade. Je m'attends au pire. Ouais, je suis en train de faire une vidéo là aussi dans le push. Et on le verra, là, il y a un piéton là qui est sur le côté gauche. Là, sur le pont là qui enjambe la rocade. Oh, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. je crains. Ah oui, en fait, puisque tu es en direct sur le groupe... les stations qui ont répondu là tout à l'heure sur l'image pour le fusible que j'ai mis là depuis le début en protection de la batterie, il sert uniquement à protéger la batterie en cas de court-circuit sur la ligne, c'est tout, rien de plus. Si je vous ai pas répondu là depuis tout à l'heure, c'est parce que là Facebook de mon côté là sur le portable, eh bien, il est en panne. Voilà, si ça roule. Ben si c'est bon, ok. Il y a du monde, oui, mais c'est QRO quand même. Donc voilà, si j'ai pas répondu, comme si à l'instant, j'ai Facebook qui est en panne là sur le téléphone. Je sais pas pour qui, pourquoi. Je peux plus rien poster, je peux même plus accéder au groupe. Alors comme ça, bon c'est pas grave. De toute façon, je verrai ça, je verrai les messages là tout à l'heure depuis le QRO quand je serai rendu, c'est-à-dire je sais pas quelle heure. Ok, Rémi. Voilà. Ben, t'as le 73 aussi de Curie, le Marcus Pigeonni 73, le 14 SRS 67-68 en TMR. Voilà, l'ami Curie qui est dans le Barin, dans le Mourin, pardon, 67. Excusez-moi, Curie. Voilà, t'as le 73 aussi de Curie, et t'as Richard qui te demandait comment tu vas. Voilà, donc tu pourras lui répondre en direct, puisqu'il est aussi sur la planète de Sibylle francophone. Voilà. Ok, oui, bah écoute, oui j'ai vu ça, les petits commentaires, bon après, voilà, il y a encore, voilà, bon, enfin, je dirai rien là-dessus, on dira ça en message privé, voilà. Voilà, s'il y en a qui n'ont pas compris la signification de ce qu'on a fait, ça les mobile. Voilà, c'est, enfin, bon, c'est comme ça, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. Voilà, ok, bah écoute, oui, c'est le marin, c'est ça. Ok, merci de m'avoir rectifié. Voilà, oui, je connais un peu la région, hein, donc c'est pour ça que mais chaque fois je confonds avec le haut et le marin. Voilà, c'est vrai que c'est bon, merci. Ah, shit. Voilà, ok, donc oui, ben moi je vois là, depuis que j'ai changé, là, que j'ai modifié la l'élastique carré, là, ben, c'est nickel. Hein. C'est nickel dans le mobile. Hein. Je vois, là, il y a moins de faire, c'est sûr. Là, je peux m'arrêter, faire des directs comme ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Bonjour Isabelle. T'as des gros bisous d'Isabelle aussi qui est derrière. Voilà. Rémi. Alors, voilà. Mais je te fais retourner le micro. Voilà. Je suis bavard. Retourne le micro, Rémi. C'est pas du tout un problème. Il n'y a pas d'anti-bavard ici. Je suis trois coups. Isabelle, clé 88. Et si tu venais un peu nous voir là sur le QSO. Là, ce coup-ci, là, je suis en mobile sur la rocade de Bordeaux et je suis en train d'arriver à la sortie 8 de le Verdon de la Cano. Voilà, je suis pas loin de cette sortie-là. Hein. Daniel, as-tu eu le temps de regarder vers la fin du QSO, de la vidéo du QSO d'hier soir, la dernière partie que j'ai rajoutée là, sur comment là je me suis dépanné là, sur mon 7009? Oui, j'ai vu la vidéo ce matin, j'ai regardé la vidéo ce matin, effectivement. Ok, pour ça, oui, ben là, effectivement, là, t'étais bien calé. Voilà, ben moi, tu vois, depuis que je le poste, puisque je l'ai vu en même temps que toi, puisque le poste a combien, 15 jours, on a 15 jours d'écart entre toi et moi, hein, puisque toi, tu l'as eu le jour du salon.
il y a 4 ans, 5 ans, maintenant, ça va faire. Voilà, et puis moi, je l'ai commandé quand tu l'as reçu. Donc, c'est ça, hein, ça fait 5 ans qu'on a tous les deux. Et moi, ben, écoute, pour l'instant, le mien, ben, il est toujours bien calé. Je n'ai jamais eu personne qui m'a dit que j'étais décalé. Donc, voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour le tien. Mais étant donné que le mien n'a jamais été ouvert, peut-être ceci de cela, Rémi. Ah, elle est bonne celle-là, elle est bonne. Non, mais tu sais, hein, c'est comme dans une portée, hein, bien souvent t'as eu le tard. Bon, ben ok, là, c'était pour moi, là. Alors justement, je suis sur l'occasion pour dire, c'est pas parce que un poste a un problème qu'il faut forcément condamner la marque, ou tous les autres postes du même modèle. Ça, ce genre de conneries, on le voit assez souvent au niveau des voitures. Quelqu'un va avoir un problème avec une voiture. Ah, ça y est, c'est la série entière qui n'est pas bonne, c'est la marque qui n'est pas bonne, ceci, cela. Non, ça n'a rien à voir. Les quelques soucis que j'ai avec le mien sont propres au mien, et puis c'est tout, quoi. Voilà, hein, c'est. Faut pas chercher plus loin, quoi. Voilà. Hein. C'est. Il y a une défaillance sur. Je ne sais plus quand Jean Bernard. Justement là sur Facebook m'a parlé là un doute sur un composant justement qui serait moyennement fiable, et comme c'est là il y aurait une défaillance sur celui-ci qui se changerait de valeur et tout ça, et ce qui oblige du coup au niveau du logiciel à compenser, quoi, pour récupérer ça comme il faut. Bon, je me suis peut-être pas l'expliqué, mais en gros c'est ça, quoi. Voilà, ok, Rémi. Ok, pour ça, voilà. Bah, écoute, ça aussi, le conjoint de Thierry, tout à l'heure. Voilà, et un conjoint aussi de Bruno, le kilomètre 6205. Voilà, 62, donc 62, c'est le nom de Calais, si je ne me trompe, voilà. Donc, ça aussi, les 73 de Bruno. Voilà, dans le 62, le kilomètre 6205, Rémi. Ok, oui, tout à fait, Rémi. Bon, tout à fait, c'est tout à fait ça, hein. C'est au petit bonheur la chance, hein. Bon, là, là c'est comme ça, et puis voilà, quoi. Oh, perso, hein, je vais pas me prendre la tête avec ça, loin de là. Je vais pas jouer les pleurnicheurs sur les réseaux sociaux, il y en a, c'est comme ça. Oh putain, et au fait, dans le sens extérieur de la rocade, ça bouchonne. Tu vois là, de mon côté c'est tout cuirot, dans l'autre sens ça bouchonne pas mal. Et vu ce que je vois sur les véhicules, ben, c'est les touristes. Voilà, on a un débarquement de... Ah oui, il y a les valises, il y a tout là. On a un débarquement de touristes là, en ce moment même sur la rocade de Bordeaux. Ah, ben oui, ils savent que le beau temps arrive, donc ils viennent passer les dernières 15 jours d'août chez nous là sur la côte. Voilà, ils viennent nous amener leurs microbes. On n'en a pas assez comme ça. Allez, ils viennent contaminer dans le sage ou ils viennent se contaminer. Aïe, 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 on s'est porté comme ça. Bon. Moi, je suis à la maison, hein, on est bien. Voilà. Moi, j'ai la piscine. Donc, voilà. Bon, je te dirais qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'y aller parce que vu ce qui est tombé comme le pain. Là, j'y ronde aussi. Hein. Voilà.
Richard, je suis aussi en Gironde, je suis sur les routes direction de Lacanau, voilà, la ville de Lacanau et du Porche. Voilà, c'est deux petites villes, Lacanau-le-Porche, qui tient un triangle, et tu vas trouver Saint-Médard-en-Jalles. Voilà, je suis sur la côte ouest de Bordeaux. Voilà, je suis plus près de la côte atlantique que Rémy. Rémy est dans les terres, voilà, c'est un terrien, et moi je suis un plagiste, Richard, on va dire ça comme ça. Voilà, ok, donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, voilà, donc, oui, ben, les touristes, bon, je vois qu'on en a besoin. Bon, moi, cette année, ben, écoute, je suis en train de voir, c'est ce que j'ai envie de faire. Ok, tiens, je vais lâcher une petite info. Puisque tu parlais du Pas-de-Calais là tout à l'heure, alors je pense que certains vont pouvoir faire les grandes oreilles de ce côté-ci sur aux environs du premier week-end de septembre par là, dans ces jours-là. Je dis ça, je dis rien. Achis trois coups. Ok, d'accord. Enregistrer le message, pas de problème, en vérité. Voilà, ben ok, d'accord. Ben écoute, ouais. Ben moi, de toute façon, j'ai mon filleul qui est là-haut. Donc, bon, cette année, c'est prévu là, pour ici, la côte charentaise. Bon, c'est pas loin, mais bon, avec les conditions qui se passent en ce moment, des tout tombés comme ça. Ben moi j'ai le fiston hein, qui a déménagé là-haut. Voilà, il a quitté Libourne il n'y a pas très longtemps pour habiter là-haut, sur Calais, Calais même. Voilà, il s'est trouvé une YL là-haut, mais pour le coup, il est marre de la région. Il a envie de découvrir autre chose et tout ça, donc mais il est rendu là-haut. Donc on l'a aidé à déménager. Enfin, sur Libourne, on lui a fait tout son chargé, on l'a aidé à tout charger, la moto dedans et tout, ça, tac, allez hop. Hein. Et puis là, bon, ben, tout a l'air de bien se passer de ce côté là-haut. Et pour le coup, il nous a demandé si pendant nos vacances, là, début septembre, on serait d'accord de venir. J'ai dit, ben pourquoi pas. Et puis moi, tu me connais, hein. C'est dès qu'il s'agit de voyager, je ne suis pas le dernier à partir. Ok, Rémi, écoute, ouais, tu me diras ça. Mais de toute façon, oui, comme je te disais, là, j'ai l'intention quand même d'alimenter dans les prochaines années. Hein. Voilà. Je connais pas. J'y suis allé déjà 3-4 fois, même. Et une fois pour des problèmes personnels, voilà. Donc, on est en tourisme.
Ouais, il y a des chances que je fasse des vidéos aussi, hein, ça je m'y attends. Si tu pouvais mettre un peu plus de puissance, Daniel, ça me rendrait service. Car j'ai de la moustache étrangère là avec la propague là, en même temps derrière. Là. Voilà, je suis en train d'arriver à la sortie 26. Voilà, je suis en bas de la sortie 26. Je vais attaquer. Donc ouais, si tu pouvais me mettre un peu plus de puissance, ça serait super cuiro. Oui, j'étais... Attends, j'écoute un truc. Non, c'est bon. J'avais le micro en main en plus hein, quand je suis passé dessus. Hein. Donc, à l'écoute, ça devrait se sentir quand même là, sur la vidéo. Ah, chie trois coups. Ouais, là, je suis en route de la sortie 26. Hein. Je suis en train de passer, d'arriver. Alors, attends. Voilà. Je suis au-dessus de la rocade. Ok, ah oui, là de mon côté, là j'ai de la moustache. Hein. Elle est là, la propague, là de mon côté, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai du QRM moi dans le secteur là de Brico-Dépôt là de ces coins là là sur la salle 89, j'ai rien entendu là. Ok, bon c'est un peu compliqué là de mon côté. Hein. Je suis dans le virage là de la NSL 89 là, d'Artigues. Voilà, dans le virage où il y a les panneaux assez horizontaux de chaque côté. Et c'est assez compliqué de mon côté avec la moustache, ça doit être de la FM, je pense, qu'il y a derrière. Oh oui, j'imagine que ça doit être ça. Ah ouais, aussi. J'espère parce que là c'est vrai que je crois si j'ai bien vu tu m'arrives avec un Santiago de 5 mais bon j'ai pas les lunettes sur le nez puis j'ai les yeux sur la route donc comme ça c'est plus pas simple pour voir le S-mètre. Ah, chie trois coups. Là, voilà bon, j'ai la vidéo là qui tourne toujours hein, donc là tu pourras voir ce que ça donne. Ouais, je suis en train d'arriver en haut de avant d'attaquer la descente de la poste. Donc là, le temps de passer la poste, ça va être dans les choux.
Ok pour le Lima Sierra Bravo, oui. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que sur les canaux supérieurs, tout le monde est en uniforme Sierra Bravo. Et du côté des 40 canaux normaux, la plupart sont en Lima Sierra Bravo. C'est pas mal curieux ça quand même. Hachi. Ok, merci, c'est sympa à toi, Richard. C'est super sympa. C'est vrai que bon, c'est pas toujours évident de faire quelque chose de cuiro. Mais bon, de toute façon, le but est toujours le même depuis le premier jour. Promouvoir, redynamiser la CBI, ça c'est la priorité. Après le contenu, ben bon, ben il vient comme il vient. Mais bon, je filtre quand même énormément dans le contenu, c'est-à-dire que tout ce qui est trop personnel, ce qui n'est pas le cas là du tout là, en ce moment, je l'éjecte, je coupe, je recoupe. Des fois, je me retrouve avec bien plus de 30-40 morceaux de vidéos recoupés. Il y a un gros travail derrière de fait dessus. Daniel, je ne sais pas si tu m'entends encore, et là, je suis en train d'arriver dans le trou, dans le bas de la poste. Ok, je viens de passer la sortie 6 et la sortie Caillot. Et ça commence à devenir un peu compliqué là de mon côté. Hein. J'ai des QRM, j'ai pas mal de bruit derrière. J'ai un peu de mal à t'écouter là dans les couches. J'ai énormément de mal à te sortir. Bon, je t'ai entendu quand même. Là, je viens de passer la sortie 7. La sortie 7, c'est vers ISO. Voilà, c'est là. Donc, la prochaine, en suivant la sortie 8, j'arrive quasiment à la hauteur du radar. Voilà là où je suis. Alors, faire une vidéo de mes vidéos,
lâché trois coups. Hey, ils veulent. Alors attends, je suis à plus de. Je suis à 1100 et quelques vidéos, je sais plus trop combien. Ouais, à plus de 1100 vidéos. Alors, faire un film de mes vidéos, au secours, au secours, au secours. Waouh, ça fait trop gros à faire là, il y aurait trop à faire là. Ouais, affirmatif. Donc comme quoi pour la vidéo j'ai un peu de puissance derrière, sans trop, parce que je travaille qu'à 50%. Et donc là, ça montre bien qu'il n'y a pas besoin de plus vis-à-vis d'une station fixe. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je t'ai envoyé les bases 1351, Daniel. Merci pour le QSO. Et les 1351 également à tous les écouteurs qu'il y a sur, sur la vidéo que tu fais du direct. Et bye bye à tous. Merci, bye bye. Pour comprendre quelque chose, c'est compliqué là. Ah, kilomètre, ok. Ah, ça remonte à Chuya. Ok, tout ça retourné, 212 QRA, bye bye! Attendez, retour bip. Donc il y a des appels sur le 455 qui se font.
cas, c'est marrant. Ah, ouais, il y a du monde derrière. Je baisse un peu. Alors, ce qui est assez marrant, c'est pour ceux qui ont connu les débuts de la CIBI avec les premières homologations. Alors, je ne sais plus, 80-81, quand la FM a été homologuée, ou plutôt, oui, quand il y a eu la première homologation CIBI avec les 22 canaux FM, tout le monde a boudé la FM pour rester en AM. Et depuis 83 qu'on a droit au multimode, et depuis plus récemment, là, depuis ces dernières années, eh bien, tout le monde cherche à être surtout un FM. C'est quand même assez curieux, quoi. Comme quoi, il y a des modes comme ça qui se suivent. Hein. Attends. J'ai entendu un appel. Ouais, attention, les stations en fréquence pour Dante 33 qui lance appel depuis la rocade de Libourne sur le sud-ouest France, département de la Gironde. Oui, Pologne, attention la Pologne pour le sud-ouest France. Ah, c'est compliqué là. Bon, c'est pas grave. Allez, les 23h51 à tous. Il est 19h05. Bon apéro à tous. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, bye bye, ciao. 73 212.